Gilmas, chronique d'Inet TV, place à ma analyse, ma solo kitoko. Je suis fier de vous, mes chers frères et sœurs. Surtout, je vous aime trop. Je vous aime infiniment. Toutes mes bonnes choses au début de la semaine, toutes les bonnes choses à tous ceux qui vont suivre la vidéo ici, toutes les bonnes choses à ceux qui supportent Keinai Poupa. Toutes les bonnes choses à tous ceux qui supportent les efforts de nos mamans de la communauté africaine, précisément communauté congolaise. Mama Congo, une dame congolaise, Oyo, qui s'acharne contre une fille chère à Fally Ipupa. Mama Congo, elle est Wario. Vous ne comprenez pas que vous insultez Fally Ipupa sans le savoir. Un monsieur qui souffre infiniment juste pour être séparé de ses enfants. Mais Bino, vous venez augmenter la plaie. Vous mettez le couteau dans la plaie qui saigne de Fally Ipupa. Maman, oyebi baseri oyo vie na biso mbutalikas nani bokechua ya mbalobaki ba matama minene on dirait entre parenthèses matama wana eza yo ero za kufinga batu na bandeli nanu na ndeko na biso oyo aza ku défendre Keinai Poupa jusqu'au bout NK de Bundes ser na nga wana ye moko ayebi. Ofingiye vilaine oza kosatake na mwasi oyo aza na adresse aza na image ya masculin dans sa maison. Pose-toi la question, pourquoi tu n'es pas marié, maman? Pose-toi la question, pourquoi tu n'es pas stable? Pose-toi la question, pourquoi tu as toujours des. Tu n'es pas le cas des mensonges. Dans d'autres vidéos, tu dis ceci. D'autres vidéos, tu parles d'autres choses. C'est toi la vraie femme bipolaire de la communauté, Mama Congo. Est-ce que vraiment la dame ici, NK de Bundes, quand tu regardes sa taille, tu mets ta taille aussi. Est-ce que vous êtes la même chose? Maman, tu n'es pas belle. Il ne faut pas insulter d'autres personnes pendant que toi-même tu reflètes la laideur de la femme africaine. Mais moi, je ne suis pas ici pour t'insulter. Je n'ai même pas le droit de t'insulter parce que moi, à la maison, j'ai une maman, j'ai une femme, j'ai des soeurs, j'ai des tantes. Quand tu insultes Fally Ipupa, soit disant que Akuta Nikimenga avec la grossesse de Keïna. Tu ne vois pas que tu vas directement, c'est à Fally Ipupa que tu tapes, tu frappes directement Fally Ipupa. Ce n'est pas Nikimenga, ce n'est pas la fille. Pour bien te former, regarde la main droite, je passe de Fally Ipupa. C'est bien écrit Keïna. Keïna, si le bras droit, les tatouages de Fally Ipupa. Marco 6 et Keïna. Il ne faut pas mener des mensonges sur les réseaux sociaux. Il y a des polémiques autour de Fally Ipupa, Keïna, Nikimenga, Nana Ketchup, tout ça. Mais cela n'empêche pas que le sang de Fally Ipupa reste le sang de Fally Ipupa. Tu ne peux pas diviser la femme et son père. Tu as essayé, tu as tout fait dans ta vie pour essayer à séduire Fally Ipupa. Ça n'a pas réussi. Tu n'as pas été contente. Tu n'as jamais digéré l'amour de Fally Ipupa envers Nikimenga. Maman, comme il faut être franc. Tu n'as jamais digéré cet amour-là. Aujourd'hui, tu veux te défouler à la petite fille. Une fille qui a l'âge de tes enfants. Si tu as même des enfants. À ce que je sache, tu as un enfant, mais un enfant
né hors du mariage, qu'on appelle bâtard en français, à Swahili et à musulman, on appelle haram. C'est ça la foi, bâtard. Toi et Demer Nyangi, vous avez des affaires bâtards. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont des affaires bâtards. Mais la fille, c'est que tu parles de Nicki Minaj. Elle a eu son affaire dans les mariages. Un cas de Bundes, elle a des affaires avec un mari dans la maison. C'est quelle leçon morale tu veux donner aux gens? Toi-même, tu n'as pas réussi ton foyer. Tu n'as aucun foyer. Tu changes les hommes comme les calés, les sous-vêtements. C'est toi qui veux donner du conseil aux gens. C'est toi qui as amené les noms de Pierrot, je ne sais pas Pierrot Lebrun, je ne sais pas Pierrot qui. C'est toi qui as amené ça sur les réseaux sociaux. Mais quand on suit de près les histoires là, ce sont des histoires montées juste pour nuire la relation de Nicki Minaj et Fally Ipupa. Tu as tout fait pour mélanger les gens. Tu as tout fait pour créer la séparation. Malheureusement, que malgré la séparation entre Fally Ipupa et Nicki Minaj, il n'y a jamais eu le divorce. Tu sais pourquoi? Parce que Fally n'a pas besoin de divorcer son amour vrai. Il est séparé puisque, si tu vois bien, Fally même lui-même, il sait que si on compare Nicki Minaj et Nana Ketchup, qui peut représenter qui? Qui peut être présentable quand il se présente dans des fêtes? Tu as déjà vu où Fally est en train de tenir Nana Ketchup à la main? Tu as déjà vu ça où? Dans tout ce qu'on a vu, toutes les photos, toutes les vidéos, ils sont toujours, c'est comme s'ils sont des amis. Fally n'a jamais montré l'affection publiquement à Nana Ketchup. Ils ne se sont jamais serré la main. Jamais. Ils s'assoient comme si ce sont des invités. Parce que Fally lui-même, il sait qu'il ne peut pas se permettre à se comporter comme un homme marié, puisqu'il est séparé. Il a un mariage qui est Nicki Minaj. Tu peux insulter, tu peux faire tout. Nicki Minaj a les dents de parler. Nicki Minaj peut représenter Fally Ipupa partout facilement. Nicki Minaj a le savoir-faire. Car selon la façon dont on la voit à la télévision, elle a le savoir-vivre. Ce sont les qualités qu'un homme veut dans sa vie. Ce sont des qualités qu'un homme cherche dans une femme. Mais toutes ces qualités-là, beaucoup zangote panique Nana Ketchup. Puisque Nana Ketchup, elle ne sait même pas s'exprimer. C'est une femme qui a forcé l'amour. Il ne faut pas embrouiller les gens. Il ne faut pas embrouiller les gens, Maman Congo. Tu n'as pas une taille pour insulter une autre femme. Tu n'as pas tu n'as pas une figure qui peut vraiment te permettre d'insulter d'autres femmes. Tu n'as même pas la forme. Tu n'as pas taille, tu n'as pas forme, tu n'es pas attirante. Mais c'est toi qui veux insulter les gens sur les réseaux sociaux. Avec quelle beauté? Tu veux te comparer à d'autres femmes avec quelle beauté? Tu as mis l'huile sur ton corps. Ton corps n'a jamais accepté l'huile. Ton corps est tellement dur. Tu n'es pas, ma chère des sœurs. Tu n'es pas. Tu es autant connue comme une combattante. Tu as essayé de combattre partout. Toi-même, tu sais bien que si tu continues dans les combats, tu vas finir à la route. Tu seras SDF. Tu as fait un recours aux palabres de YouTube. Tu as fait un recours à être congossa juste pour avoir de l'argent pour manger. Sinon, si c'était seulement les combats que tu menais avant, aujourd'hui, tu serais dans des routes, dans la route, NSTF. C'est l'argent de YouTube qui t'a sauvé. C'est l'argent de YouTube qui t'a sauvé. Il faut dire merci à celui qui a mis le système de payer les gens sur les réseaux sociaux. La petite qui a droit aux éloges. Beaucoup de filles ici en Occident, congolaises précisément, elles ne vont même pas à l'université. Beaucoup, je n'ai pas dit toutes les filles, j'ai dit beaucoup, beaucoup d'elles. Elles ne vont pas à l'école. Beaucoup d'elles sont, dès qu'elles finissent les écoles secondaires, elles cherchent le travail. Beaucoup d'elles sont, ce sont les filles qui sont assaintées par-ci, par-là.
Beaucoup de sont les femmes qui fument par-ci, par-là. Mais les affaires de Nicki Minaj qui vous insultez chaque jour, la femme là, malgré vos insultes, elle a réussi, elle a parvenu à nous présenter une fille avec sa licence. Ça c'est quelque chose de mondial. Ça, même si vous faites des vidéos, ça ne va pas changer cela. Keina et Poupa, elle est licenciée. Ça ne va pas changer. Vous qui n'êtes pas des bipolaires, Maman Congo, tu n'es pas bipolaire. Tu nous as donné quoi dans la communauté? Toi, tu n'es pas bipolaire. Tu nous as donné quoi? La femme que vous excitez chaque jour bipolaire, elle nous a donné une femme licenciée. Elle nous a donné une fille qui a une licence en main. Elle a valorisé le nom de Fally Ipupa. Nicki Minaj a valorisé la famille Ipupa. Toi, tu as valorisé la famille de qui? Une femme vagabonde. Tu n'es pas une femme idéale. Tu n'es pas donné les gens des leçons morales. On te connaît. On te connaît. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La première fois que j'étais vu sur les réseaux sociaux, tu ouvrais un frigo, tu mettais la bière dans un verre. J'étais étonné. Une dame soi-disant Maman Congo. Toi, tu n'es pas Maman Congo. Tu es Maman Zahir. Tu n'es pas la femme de la génération congolaise. Tu es venu au moment au temps de Zahir. Toi, tu n'es pas Maman Congo. Tu n'es pas Maman Congo. Les Maman Congo sont des femmes là qui ont compris la vie, qui ont compris les changements. Mais moi, je ne vais pas entrer dans des détails bêtes comme ça. Une fille. Ah, Maman Congo. La fille Keina Ipupa. Le jour elle a eu son diplôme. Le jour elle a eu sans licence. Est-ce que tu as fait une vidéo pour la féliciter? Rien. Mais tu es quand même venu pour l'insulter. Tu es venu quand même pour juste pour créer des discordes entre la famille. Parce que tu es né dans une famille de division. Une famille de division. Mais la fille là, c'est une famille, c'est une fille de l'unité. Une fille qui est née dans l'union. Bien mariée même. Ce n'est pas bâtard. La fille là n'est pas bâtard. C'est une fille vraiment naturellement mise au monde. Je viens. Ça c'est prêt. Ça c'est. Ce sont des petites introductions. Moi je suis l'oncle de la fille. Je suis l'oncle de Keina Ipupa. Je vais parler jusqu'à ce que vous allez fuir les réseaux sociaux. Vous allez vous fatiguer. Moi, je vais parler d'elle chaque jour. Puisque c'est mon devoir de la protéger.